مباراة الديربي تكون شوية تكتيكيا يعني سايرة شوية، رغم أنه في الشوط الأول لعبنا الحدود ديالنا كاملة، دخلنا بفريق يعني بنزعة هجومية واضحة، مهاجمين خلقنا فرص في الشوط الأول، وفريق الجيش أيضا كانت عنده السيتياسيون ديالو، فمباراة كانت منفتحة صراحة في الشوط الأول على كل الاحتمالات، كانت فرص من جهتنا حنا انفرادين، وكانت فرص واقترابات ديال فريق الجيش الملكي بفضل اللاعبين يعني الكبار اللي عنده. الشوط الثاني طبعا كاين معطى اللي غير ربما السيناريو ديال المباراة ديال الورقة الحمراء، حاولنا أننا نحافظوا على المهاجمين رغم النقص العددي، وهي مخاطرة كانت يا إما تعطينا القدرة على التعادل ولا إلا أننا نستقبلوا هدف ثاني، ما كانش عندنا إشكال نستقبلوا هدف ثاني، ولكن ما بغيناش نفرطوا في الحدود ديالنا في عودة المباراة. يبقى فريق الجيش طبعا غيخلق لك دائما مشاكل في مباراة، نظن أنه لاعبين قدموا مباراة محترمة، والمجهود أيضا البدني والذهني كان جيد، فهنيئا الفريق الجيش. C'était un bon match entre deux bonnes équipes. La première mi-temps un peu fermée des deux côtés, peu d'occasions des deux côtés, mais des bonnes choses de notre part quand même, notamment une bonne animation côté gauche chez nous. Chose intéressante aussi sur le coup de pied arrêté où on a réussi à avoir quelques occasions de but. Et je pense en deuxième mi-temps, on a eu un moment fort qui est les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps. On était très, très fort, quoi. Puisque peut-être l'étau s'est un peu desserré chez l'adversaire, il y en a un peu plus d'espace. Ça nous a permis de faire une grosse, je dirais, une grosse vingtaine, 25 minutes, 30 minutes, très intéressante, où là, on a eu beaucoup d'occasions. Le petit bémol à ce match, bon, bien sûr, très satisfait de la victoire, c'est le plus important, c'est une victoire très, très, très importante. Mais le petit bémol que je mettrais à la satisfaction générale, c'est plus le dernier quart d'heure où on a eu du mal physiquement. Je pense qu'il y a un petit déficit physique qu'il va falloir combler, même si en ce moment on ne peut pas assez travailler avec les matchs rapprochés. On a eu du mal le dernier quart d'heure, et surtout le petit point noir du match, c'est de ne pas faire le break. On doit tuer le match, comme vous l'avez vu bien avant, avec un nombre incalculable d'occasions. Voilà, on doit absolument mettre le deuxième pour se mettre à l'abri, parce que le dernier quart d'heure, comme on était un peu moins bien physiquement, ben, on aurait pu payer cher et tout peut arriver, quoi. Voilà. Donc, mais globalement, quand même, grosse satisfaction. Bon, au bout de, comment dire, moi, j'ai eu que deux entraînements, deux jours seulement pour préparer l'équipe, donc c'était pas évident. Donc, c'est vrai que ce match va beaucoup me servir pour avancer dans la connaissance de l'équipe. Donc voilà ce que je peux dire globalement. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.